Bonjour Didier. Bonjour. J'aimerais bien savoir par où ça commence. Par ici. On y est. Alors, qu'est-ce que je vois là? Alors là, on voit des marionnettes d'un spectacle qui a été créé par la compagnie Pipasol qui s'appelle Les Enfants d'abord, sur des témoignages d'anciens mariniers du confluent. Comment ces propos ont été recueillis? Alors on était chez chaque personne, chaque ancien marinier, on les a interviewés, ils nous ont raconté leur histoire et à partir de cette matière, nous avons... C'est là que le story est parti. Exactement. Super. Et donc combien d'heures de travail pour arriver à... En général, on met un an pour créer les spectacles entre la conception, les répétitions. Voilà, c'est à peu près un an de travail. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dédiées à la fabrication et d'autres à l'animation? Alors on a plusieurs, effectivement. L'équipe se compose au moment de la création de 10 personnes environ. On a une personne qui crée les marionnettes, une personne qui écrit, une personne qui met en scène, une personne qui va des marionnettistes, une création lumière, création de décors, peinture. Donc voilà, on a toute une équipe et après en tournée pour ce spectacle, c'est 4 personnes en tournée. Sinon là, combien de personnes ont participé à ce projet-là? Une dizaine de personnes. On passe de l'autre côté du rideau? Allons-y. Alors sur ma gauche là, ce personnage-là, je vois qu'il est en pleine réflexion. Alors ça c'est un personnage d'un spectacle qui s'appelle L'Enfant Sauvage qui a été créé en 2001. Donc voilà, c'est L'Enfant Sauvage du film de François de Truffaut. Et on s'est appuyé sur les écrits du professeur Jean Itard. Pipasol existe depuis combien d'années? On existe depuis 1996. La compagnie a été créée à Andrézy et on a intégré les lieux ici en 2009 au chalet de Denouval et on a nommé une partie du lieu le SIAM, le Centre Yvelinois des Arts de la Marionnette et des Arts Associés. J'avais lu à l'époque, enfin à certains moments, qu'il y avait des compagnies ou des artistes qui venaient en résidence ici. Effectivement, en fait, on a des ateliers, on a un outil de travail complet de fabrication d'objets. Ici et même, dans l'enceinte du chalet? Ici même, dans l'enceinte du chalet. Et on partage nos ateliers avec des gens qui ont besoin d'espace de création. D'accord. En France, vous avez fait combien de tournées? Ouh là là, 96, on fait 50 représentations par an, parfois on va jusqu'à 100 représentations, je sais pas, je dirais 500, 600, oh là 700 là. Lieux super. Différents, et en nombre de représentations, on en est, je pense, à 1500. D'accord. Toutes les représentations qui se font à Andrézy se font dans cette salle ici? Pas du tout. Ici, c'est vraiment un lieu de travail, de création. De création et fabrication. Mais l'espace n'est pas assez grand ici. Nous, on a besoin de gros théâtres comme l'espace Julien Green. D'accord. C'est là où on montre notre travail. Il y a quelque chose à faire, à voir prochainement à Julien Green, par exemple? À Julien Green, cette année, on est plus sur de l'action culturelle. Donc, il va y avoir une déambulation avec des jeunes sur des personnages qui vont être créés par eux-mêmes en carton. Et il va y avoir un gros mapping mélangé avec de la marionnette, de la musique sur le bâtiment aux Journées du patrimoine, mais 2025. Bon, on y reviendra. Voilà. Allez. Allez, on avance. Et là, une maquette. Alors ça, c'est une œuvre de Daniel Valbert qui travaille dans la compagnie avec nous et il fabrique des objets contemporains. Donc parfois, on associe des expositions avec nos spectacles. Voilà une œuvre de ce qu'a fait Daniel pour accompagner les spectacles lors des tournées. Bon, pourquoi la carte du monde? Parce que là, c'est la thématique, c'est le voyage. Hein, ok. C'est des vieilles cartes de l'époque qu'on a pu récupérer. Et donc là, on est sur la planisphère des colonies françaises. Mais, alors, j'ai pas la date exacte de cette carte, mais voilà, ça a beaucoup changé depuis. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Non. Autre étape. Alors, ce personnage, c'est qui? Alors, c'est pareil, c'est un marinier. C'est un marinier. Ouais, j'ai repris la casquette. On le reconnaît.
Et là, il y a toute la scénographie de Jade qui est imaginée avec des petits personnages qui ont été créés, qu'on appelle des zouks, lors des ateliers menés ici avec des amateurs qu'on accompagne sur une création. Puis il y a un jeu de lumière qui est sympa. Bon, ben voilà, mon petit tour est fait. Hein ? Je vous invite à regarder ça prochainement sur YouTube. Hein, je vais mettre quelques vidéos dans le cadre des Journées du Patrimoine qui se déroulent ce week-end. Et puis ça me fait grand plaisir d'être venu jusqu'à vous. Eh bien, merci beaucoup. Merci.